échoué. Mes péchés ne seront pas absous. J'ai maculé mes mains de sang en recherchant le prophète, et aujourd'hui, il ne reste plus rien. Alors que l'assaut se muait en siège, le peuple du prophète a commis l'impensable. Ils ont retourné leurs armes contre le glacier et enterré leur propre cité. La glace a enseveli tout le monde, que ce soit les Mongols ou les disciples du prophète. Le Khan et sa horde de guerriers sont morts. Les habitants de Kitej sont brisés et dispersés. Moi seul ai survécu, dans le cœur gelé de la cité, avec pour seule compagnie l'armée d'immortels du prophète, aux yeux brûlants d'une lueur impie. Encore maintenant, ils traquent les survivants dans les ruines. Je ne sais pas comment je me représentais un être immortel. Mais Jacob semble si... humain. Quand je pense aux choses dont il a été témoin au fil des ans, à ses expériences, à ses connaissances, ça dépasse l'entendement. Et pourtant, il a menti à son peuple pendant des générations. Tout ça pour garder ce secret. Quelle merveille la source divine nous révélera-t-elle ? Les hommes saisiront-ils enfin la véritable nature de l'âme ? Ou auront-ils accès à une fabuleuse découverte scientifique ? Dans tous les cas, les enjeux sont trop importants pour laisser la Trinité s'en mêler. Les immortels surveillent les rues. Je dois rester discrète.
Ces mots ressemblent à... du mongol. Mais ce qu'ils disent reste un mystère. Dieu me met à l'épreuve. J'ai récupéré des armes et des outils, suffisamment pour survivre. Le Khan m'a un jour demandé d'apprendre à tirer à l'arc et à me battre comme l'un de ses soldats. Et pour cela, je lui suis reconnaissant. Il m'a donné ses propres flèches, capables de transpercer les armures. La glace environnante me fournit de quoi étancher ma soif, mais elle dégouline de sang. L'armée du prophète patrouille désormais dans une ville fantôme. Ces hommes n'ont rien à voir avec ceux qui nous ont accueillis aux portes de la ville. Ils ont changé d'une certaine façon. Parmi eux se trouve un homme que j'ai tué moi-même au combat. D'après les vieilles légendes, ceux qui ont posé les yeux sur la source divine ont renoncé à leur âme pour accéder à l'immortalité. Si c'est avéré, je vais mourir ici, enseveli avec le secret que j'étais chargé de découvrir. Ces bannières, l'insigne de l'armée des immortels. M'en servir pour enfoncer cette porte. Ah !
Le sac contient un morceau de silex. C'est une amorce pour le feu. Les soldats mongols devaient pouvoir se débrouiller seuls. Ugh!
faut que j'enfonce cette porte. Ça devrait être bon. Alors feu. Avant même de pouvoir te prendre dans mes bras, j'ai failli te perdre, Lara. Mais tu t'es battue, bien décidée à vivre. Tu as respiré, agité tes minuscules poings, et tes hurlements ont retenti dans tout l'hôpital. Je n'avais jamais entendu de son aussi beau. En rentrant à la maison sous la neige cette nuit-là, je me suis fait cuire un steak, après quoi j'ai bu la moitié d'une bouteille de whisky. J'ai essayé de marcher dans la neige avec des raquettes de tennis, et je me suis endormi avec le chat. J'étais tellement heureux. J'ai bien dû entendre cette histoire une dizaine de fois. Mais je ne m'en lasse toujours pas. J'aurais aimé que ça dure. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps. Les structures ont été abîmées. La bataille a causé beaucoup de dégâts. Mais la cité tient encore debout. Vous avez pas mal.
La chambre des âmes est derrière cette porte. Je dois juste trouver un autre trébuchet. Toi, Lara. Tu dois atteindre la source avant eux. Tu ne peux rien faire de plus pour m'aider. Va te mettre en lieu sûr. Pas question. Tu as besoin de nous autant qu'on a besoin de toi. On survit ensemble ou on meurt seul. Allez, vas-y. Ugh!
J'ai pas assez de force. Je vais pouvoir aller enfoncer cette porte. Ça devrait faire contrepoids.
Les soldats mongols ont dû se retrouver enterrés dans la glace avant de pouvoir atteindre le cœur de la cité. Mais oui, le poids devrait se mettre en place au fur et à mesure que le seau se vide. Des archers. Faut que je m'en débarrasse.
Laisse ta visée avec ce truc. La voie est libre. Ah!
Thank you.
Tia, où es-tu? Je te vois, Lara. On va faire tout ce qu'on peut pour te soutenir d'ici. Merci, Sophia. J'ai besoin de toute l'aide possible. Thank you.
Merci, Sophia. Bien visé. On va essayer! Prépare-toi! Vous auriez plus de chance en me jetant une pierre! Attends un peu, Lara! On recharge! Utilisez mon feu de joie. C'est le seul moyen. On est prêt à tirer! C'est parti! L'hélicoptère est trop rapide! On n'arrivera jamais à l'atteindre! Attends! J'ai une idée! Si je tire sur la boule de feu quand elle passe à côté de l'hélico, l'explosion pourrait l'atteindre. J'espère que t'as raison. Donne-nous le signal, on se tient prêt. Tirez! C'est parti! Elle compte se battre avec moi, espèce de lâche! Envoyez-moi une unité! Vite! Débarrassez-moi d'elle!
flammes ne servent à rien contre cet hélicoptère. Que vous et moi maintenant, Lara. Avez-vous regardé votre ami Jonah mourir? Une plaie au ventre, ça vous rend trop mal. Est-il encore en train de se vider de son sang quelque part pendant que vous vous cachez? Entouré de plus faibles que vous.
Ça, je t'ai promis un grand destin. Ça n'a jamais été votre destin. Juste un mensonge que votre sœur a entretenu. J'ai fait tout ça... dans un seul but. Qu'elle vive. Vous n'avez pas le droit de partir. Attendez! Les Trinitaires ont tué votre père! Non! Vous mentez. Il nous a supplié de l'épargner. Vous n'en valez pas la peine. Brûlez en enfer. Vaincu. Et ton frère est mort. Non, c'est ce que les Trinitaires ont apporté. La mort. Et c'est tout ce qu'ils apporteront. Abandonne. J'ai tout abandonné pour ça. Pas question de laisser les Trinitaires s'en emparer. As-tu pensé à ton père? Tu veux le condamner à être la risée de l'histoire pour toujours? Comment peux-tu seulement l'envisager? Tu es si près du but. Je préfère encore faire ce sacrifice. Je ne peux pas te laisser la prendre. Pense aux millions de personnes malades et mourantes. Nous pouvons les sauver. Nous pouvons changer le monde. Rejoins-moi. Le prix à payer est trop grand, Anna. Nous ne sommes pas censés vivre éternellement. La mort est une étape de la vie. C'est facile à dire pour toi. Tu n'es pas en train de mourir. Il ne s'agit pas que de toi. Toute l'humanité est concernée. Nous devons préserver notre mortalité. Ils approchent. On est encerclés. Jacob, attention! Le monde n'est pas encore prêt pour la source. Saisis ta chance, Lara. Après tout ce que j'ai fait, tout ce que tu as fait... Ce n'est pas la peine qu'un autre Croft meure pour ça. Je suis prête à mourir. Ce n'est pas mon cas. Pitié. Je suis mourante. C'est mon seul espoir. Accrochez-vous. Je m'accroche. Depuis bien trop longtemps. Vous saviez que j'allais la détruire. Durant toutes ces années, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi extraordinaire.
Je meurs. Je suis désolée. Tout ce que je voulais, c'était changer les choses. Vous avez réussi. Vous avez réussi. Ma très chère Lara, je me dis souvent que mon père se retournerait dans sa tombe s'il savait à quel point j'ai déshonoré le nom de notre famille. Croft, qu'est-ce que cela signifie? J'espère juste que tu arriveras à laisser une trace dans ce monde un jour. Souviens-toi, l'important, ce sont les choses que nous accomplissons, pas qui nous sommes. Détruire la source était la seule chose à faire. Je l'ai quand même laissé tomber. Je pense qu'il aurait fait pareil. Allez, t'as un avion à prendre. J'avais déjà écouté cette bande des milliers de fois. Mais à cet instant, j'ai eu l'impression d'entendre les paroles de mon père pour la première fois. Peu importe ce qu'il aurait fait, je dois faire mes propres choix. La cité de Kitège existe bel et bien. Il se cache des secrets là-dehors qui peuvent changer le monde. Je dois les découvrir. Pas pour mon père, ni pour qui que ce soit d'autre. Mais pour changer les choses. Espérons que ce soit pour le mieux.
Anna. Quand tu as dit, ce n'est pas la peine qu'un autre Croft meure pour ça. Qu'est-ce que tu voulais dire au juste? C'est toi qui as tué mon père, c'est ça? Les Trinitaires me l'ont ordonné. Mais je n'ai pas pu le faire. Tu mens! Je l'aimais. Non! C'est fait. Bien. Je m'occupe de Croft. Non. Pas encore. Listen to the Game est un podcast produit par Podcut. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts du label sur podcut.studio. Et si vous avez l'âme et le porte-monnaie d'un mécène, un Patreon est aussi là pour les soutenir. Vous pouvez aussi retrouver le podcast sur Twitter, @LTTGpodcast, ou sur Facebook. Je rappelle qu'une présentation globale du concept est disponible en épisode 0. Merci de votre écoute et à très vite. Hey!